Wow les amis, aujourd'hui dans Roblox, nous allons pouvoir chevaucher les meilleures motos du monde dans le but de faire la course et d'être le plus rapide. Ah, sauf que pour l'instant, je suis un scooter. Et autant vous dire que j'imagine qu'il n'est pas très rapide. Hop, la course va pouvoir commencer, c'est parti! Ah ouais d'accord. Oh, je tape la roue au moins. Ah c'est pas facile à soulever ce scooter là en plus hein. En tout cas on va pouvoir commencer à récolter des wins qui vont sûrement nous permettre d'acheter de nouvelles motos. Alors combien il faut pour avoir la prochaine? 750 wins. Ok, c'est parti pour commencer à les collectionner. Bon en tout cas salut tout le monde, c'est Redkill en scooter aujourd'hui. Et vous l'avez compris, on va tenter d'avoir la meilleure moto du monde. On enchaîne tellement de portails, on est déjà à 354 de victoires. Donc on est très proche d'avoir déjà la première moto débloquable les amis. Alors il reste 40 secondes de course, donc on aura les 750 victoires, c'est sûr. Par contre, là, ce qui se passe, les amis, c'est que là, on est sur la première course et on pourra débloquer d'autres courses après. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va vraiment avoir des vitesses en moto vraiment incroyables. En tout cas, ça y est, j'ai la possibilité d'acheter ma première moto, mais on va continuer à débloquer des trucs. Est-ce que je peux l'acheter d'ici et la changer en pleine course? Non, il faut attendre, je pense. Attendez, c'est là. Oh, c'est bon. Hop là, je l'ai équipé ou pas? Let's go, on a déjà notre première. Ah, petite motobilette. Et là, on a des portails qui nous donnent vachement plus de victoires. Donc ça fait plaisir, on va pouvoir aller acheter nos premiers pets. Donc première course terminée, on va aller récolter ce petit truc là qui m'a permis d'avoir 100 wins, mais surtout, on achète nos 3 premiers pets. Let's go. Oh, un chat rare. D'où c'est rare, un chat? Bon, en tout cas, ça, c'est les œufs à 25. Moi, je peux directement acheter des œufs, les amis, à 800. J'ai tellement de victoires qu'on va pouvoir avoir accès à un Black Cat. Allez, j'en achète à nouveau. En tout cas, il faut que je clique le plus rapidement possible. Hop là, un ours basique. Maintenant, on gagne plus 8 à chaque fois qu'on clique. Alors, vite, il faut que j'équipe mes pets. Je sais pas si ça change les clics. Non, ça change juste ma vitesse. Et là, ma vitesse, les amis, va être incroyable. Alors, préparez-vous, car déjà maintenant, la vidéo va prendre une autre allure. Ah non, pas du tout. Je suis juste pas très rapide en fait. Mais je tape là-haut et je suis encore en accélération. Je suis pas à ma vitesse max, mais ça va arriver. Oh, ça y est, l'écran commence à sortir les speedlines. Ça veut dire qu'on atteint une vitesse pas trop mal. Oh, les portails s'enchaînent tellement bien. Bon, là, on va pouvoir monter à une vitesse de 3180. Franchement, c'est pas mal. Mes pets sont là pour ça. Et ça y est, je vais commencer à rabattre ma route devant parce que j'ai déjà atteint ma vitesse max. Alors, je vais me mettre en mode autorun. Ah, ça m'a fait redémarrer. Et ça me redonne pas de victoire. Ah, mince, j'aurais pas dû faire autorun. Bon, c'est pas grave. Au moins, on enchaîne rapidement le début. On va faire tourner la roue du hasard qui va me permettre d'avoir des boosts, j'imagine, avec le plus rare. J'ai eu le truc le plus rare. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est un pet? Il a l'air incroyable. Alors, attendez, il faut que j'ai... Oh, 35 000! Mais c'est quoi ce délire? Attendez, je l'équipe. Je peux atteindre 35 000 là? Mais je suis déjà à 30 000. What? Non, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'il faut que je redémarre la course. Alors apparemment, j'ai déjà la possibilité de faire mon premier rebirth qu'on va faire tout de suite. Ce qui fait que ça m'a permis... Ah, ça y est! J'accède maintenant à la deuxième partie, je crois. Ah non, je peux pas y aller. Enfin, j'y suis pas allé encore. Je suis toujours sur la première course. Et on réussit la première ligne. On passe maintenant à la deuxième. Et je suis pas à 37 000, hein. C'est faux, hein. Le compteur est cassé, je crois. Voilà, on est de retour au début. Le prochain rebirth, c'est 80 000. J'ai 10 000 de quoi m'acheter. Peut-être... Oh, je peux déjà acheter les meilleurs pets de la région. Ah non, je peux pas avoir celui-là. Il me faut juste, voilà, celui-là pour l'instant. Ils sont rouges, ils ont l'air tellement classe. Bogue, le Magma Cat. Alors hop, on équipe. Tac, il me rapporte combien? 11 000 déjà. Ah ouais, donc en fait, le pet qu'ils m'ont donné, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Donc allez, go cliquer. On fait plus 8 encore. On va passer à 53 000 de vitesse normalement. Et c'est parfait. Donc là, je pourrais aller à la prochaine zone. Mais il faudrait déjà terminer cette première course que je pense va être terminée, les amis, avec 53 000 de vitesse en même temps. Et attention, la vidéo commence officiellement maintenant. La vitesse va être incroyable. Hop, hop, pourquoi j'ai terminé au début? Oh, c'est parti. Let's go. Oh ouais, je suis à la moitié de ma vitesse et on va déjà extrêmement vite. Direction les 53 000. Et alors là, ça ne rigole plus. Ok, on est pas mal là. Et en fait, faudrait peut-être changer de moto un moment. Ah, c'est 18 000. Ah ben ça y est, je vais pouvoir l'avoir. Le petit cross qui est juste là. Alors attendez, est-ce que je l'achète maintenant ou pas? Ouais, je vais le faire maintenant. Allez hop. Ça me permet d'avoir plus 65% de win et 10% d'accélération. Et on est déjà à la fin de la première ligne. Et on l'a changé. Regardez-moi ça, si c'est pas stylé. Alors là, il faut taper la roue avec ça. Bon, en fait, je réussirai à terminer la première course. C'est sûr que oui, les amis, on est déjà à la fin de la deuxième ligne. Donc la troisième va être très rapide. Et nous, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour dans le shop. Et avoir la possibilité d'avoir un autocliqueur. Ok, on va prendre ça. On va également prendre le deuxième boost qui est un acceleration boost. Mais attendez les amis, il faut vite que je regarde la course parce que je crois qu'on atteint la fin. Hop, on active et c'est parti. La fin est là. Boum! Oh!
Cette vitesse est incroyable. Oh, Frippet, comment ça? Oh, ah, il faut que je joue 30 minutes. Donc c'est parfait, j'ai la possibilité de refaire un reverse, les amis. Donc c'est reparti, encore un. Bon, apparemment, je peux pas avoir le triple victoire, malheureusement. Ça a pas l'air de fonctionner, donc au pire, je peux peut-être l'acheter ici. Ah ouais, non, ici, je pars le fois de win. Bah, c'est déjà pas mal, alors. Allez, go! Go m'acheter ça. J'espère que ça va fonctionner, là, cette fois-ci. Hop, c'est bon, ça a fonctionné. Donc ma direction, du coup, la plage, les amis, qui va nous permettre d'avoir une course encore plus folle. Alors, est-ce que je reste avec les autres joueurs ou pas? Ou est-ce que c'est une autre, un autre endroit? Oui, je suis avec les autres joueurs aussi. Oh, c'est parti pour le clic. Ah oui, c'est vrai que ça autoclic. Parfait. Donc là, à mon avis, je vais galérer un petit peu au début. Mais en tout cas, regardez, j'ai la possibilité peut-être d'avoir... Oh, dans très peu de temps, l'Imbala. 95% de win en plus. La nouvelle course va pouvoir commencer. C'est parti. Je crois qu'à chaque fois, j'essaie de gruger et du coup, ça me re-téléporte. Allez, go! Oh, pour l'instant, on est vraiment pas trop mal pour cette course. De la plage, les amis, on avance plutôt vite. Du coup, on est déjà au portail 50+. Alors, j'ai la possibilité de claim quelques petits trucs là. Hop, je vais tout prendre. Tac, voilà, parfait. Et on est déjà à la fin de la première ligne. Et j'ai la possibilité de refaire un rebirth encore. Donc, je le fais parce que c'est tellement avantageux. Et dès que je suis à 100 000, je change de moto, les amis. Hop, 100 000. On va y arriver très vite. En tout cas, la plage, je vais la réussir à la one-shot. Et on va pouvoir passer à la prochaine épreuve, la prochaine pièce. Donc ça y est, j'ai les 100 000, on achète donc l'Impala qu'on équipe immédiatement et là, waouh, elle est super longue cette moto, elle est tellement classe. Et attention, c'est la réussite dans très peu de temps. Encore une victoire pour moi. Et attention, ça arrive. Bam! Waouh, oh, oh, cette vitesse de fou. Alors là, j'ai la possibilité de soit faire un rebirth, les amis, ou de soit acheter une nouvelle moto. Moi, j'achèterais bien une nouvelle moto parce que ça permet d'avoir plus de win. Donc, du coup, ça vaut le coup. Hop, et après, on fait un rebirth juste après. Donc, c'est parti. Alors, comment ça se passe? La course est terminée. Il y a des pets à acheter ici qui coûtent... combien? 60 000 et 150 000. Ok, ils coûtent très cher. En tout cas, nous, on va pouvoir aller à la part... Ah non, c'est 4 rebirths pour pouvoir aller à la Candy. D'accord. En attendant, j'aimerais bien essayer un pet à fois... 15 000, c'est quoi qu'il y a x 15 000? Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air incroyable. Donc allez, j'en achète un. Est-ce que c'est 15 000 de vitesse? Ah non, c'est 75 000. Ok, c'est pas mal du tout. Voilà, ma vitesse max est de 137 000, donc autant vous dire que ça va être n'importe quoi. Là, je suis rendu à 145 000 de vitesse max. Attention, c'est... Ah mais pourquoi je suis téléporté à chaque fois? Arrêtez! C'est parti! What? Je cours à côté de la moto! Enfin, dessus, ouais, ouais, dessous, dessus, je sais pas, un petit peu partout, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Je crois que la moto est pas assez rapide pour moi, je suis en train de l'aider, là. Je suis en train de l'aider, moi, je suis une Saint Bolt, d'accord? Bon, en tout cas, on est bien, on va pouvoir faire le rebirth tant attendu, c'est parti, le quatrième, et on a donc maintenant accès à la Candy. Alors, attendez, du coup, est-ce qu'il faudrait pas se tuer? Voilà, parfait. Oh, oh, je continue à courir, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah, mais c'est parce que j'étais en auto-run, c'est pour ça que j'étais téléporté à chaque fois. Donc allez, go direction la fameuse zone bonbon, les amis, qui va être sûrement très incroyable. Mais peut-être qu'il va nous falloir une nouvelle moto pour la zone, je sais pas. En tout cas, on a le même problème. On court à côté. Alors la prochaine moto, c'est 2,5 millions. Oh, c'est énorme. Bon, première ligne terminée. J'ai l'impression que même si on change de zone, on arrive à les terminer assez rapidement. Là, on arrive à la fin de la zone. Candy, hop là. En fait, je crois que ça change rien. Ça change rien, c'est juste le lobby qui est différent en fait. Waouh, wow, je suis à 1,4 million. Je pourrais faire un rebirth encore, mais j'ai bien envie de maintenant farmer les motos. Mais bon, il va falloir faire des rebirths aussi. Hein. Donc allez, go en faire un encore. Maintenant, il faut 1,7 million. Oh, j'ai des petites quêtes à réclamer. Oh, j'aurais dû le faire plus tôt. Alors, je vais ouvrir un pet comme ça, voir si ça vaut le coup. Pour 250 Robux, il coûte moins cher que celui que j'ai acheté directement, le Sublime Dragon. Et est-ce qu'il est mieux? Ça, je ne sais pas. Oh, un Summer Cat. Il a combien, le Summer Cat? 14 000. Ah ouais, c'est beaucoup moins bien. Bon, je vais prendre le plus 3 équipes, histoire d'avoir 6 pets sur moi. Comme ça, on est bien. Et à la limite, les amis, ce que je peux faire, c'est aussi acheter le Sublime Dragon une deuxième fois. Comme ça, on est vraiment, vraiment, vraiment... dans la butte totale. Ouais, non, on n'est pas encore dans la butte totale. Il faut que j'en achète un troisième du coup. Et là, on sera vraiment dans la butte totale. Allez, go, on équipe tout ça. Tac, est-ce que je peux les changer maintenant? Bien évidemment que oui. Je suis rendu à 302 000 de vitesse. Allez, c'est bon, j'ai les 3 millions de victoires, les amis. Je pourrais acheter une nouvelle moto, mais non. Il faut faire un rebirth, comme ça on a accès à une nouvelle zone, celle de la forêt. Allons la tester immédiatement. Hop, téléportation, forest. La voici, la voilà. Et maintenant, on est en route vers la prochaine moto. Donc, allez, accélération. C'est parti. Let's go! Que 330 000 de vitesse! Oh là là, c'est abusé! Donc on a dit, prochaine moto, c'est 2,5 millions. Elle est rose, elle est magnifique, c'est la moto de Barbie. Et on va la voir très rapidement, vu qu'on est déjà à 2 millions de victoires. Oh, ça avance tellement vite. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir la moto de Barbie? C'est parti! 2,5 millions, on l'équipe. Et est-ce que je cours encore à côté? Non, celle-là, on est en plein dessus. Allez, couche-toi vers l'avant, comme ça tu vas aller un peu plus vite. Bon, je vais ouvrir un pet à 3,5 millions, en espérant que ce soit pas trop mal. On va voir, attention...
C'est parti. Tac. Un Green Bird légendaire. Oh. Ah oui, j'avais 15% de chance de l'avoir. On va le tester de suite, équipe. Et il avait quoi? Oh. Ah oui, il valent grave le coup, en fait, les pets d'ici. Hein. Et à celui-là, le Vampire Egg, je sais pas combien il donne. Voilà les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode auto-rebirth. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite. Comme ça, je fais un maximum de rebirth pour pouvoir farmer les motos qui nous restent à débloquer. Et pour que ce soit encore plus pratique, je vais prendre une H2, les amis, qui va être complètement folle. Alors, hop, je la débloque pour 250 Robux. On est VIP, on peut la prendre maintenant. C'est parti, on l'équipe. Et alors là, voilà, on est penché, on y va. C'est du tout droit maintenant. Enfin, depuis le début, c'est du tout droit. En tout cas, là, les rebirths. Ah, ça se fait pas tout seul. Ah, c'est le moment de rebirth là. Ah, il faut. D'accord, il faut aller dans les paramètres pour le mettre. Ok. C'est où? Auto-rebirth, c'est là. Voilà, là, c'est bon. On va pouvoir les enchaîner. Donc, ça y est, les amis, j'ai les 22 rebirths qui m'ont permis d'accéder à la Technozone. Attendez, c'est bien ça? C'est bien ça le nom de la dernière? Ah non, c'est le Void. La Techno, c'était juste avant. Et là, par contre, les amis, les pets. Oh, ils coûtent que 6 millions. C'est que dalle. Alors attendez, on va en acheter un pour voir combien ils permettent d'avoir. Ils sont très... Void Phoenix. Attendez, j'ai eu le plus rare, je crois. Attendez, il faut l'équiper. On va voir combien ils donnent. 140 000. Ok. Je vais acheter tous les pets d'ici. On va pouvoir farmer vraiment de manière assez facile les wins, là, je pense. Ah, j'ai plus d'argent, ça y est. Ok, on y va. Autorun. Et alors là, on va gagner, à mon avis, beaucoup. Il faut que je désactive l'auto. Wouah. Il faut que je désactive l'auto reverse, sinon on va faire que reverse, alors que là, j'ai plus besoin, franchement. Tout va bien, on n'a plus qu'à farmer les wins et acheter les nouvelles motos. Alors, on a celle-ci, donc, à 8 millions que j'avais pas acheté encore. On va l'acheter tout de suite. On va la tester, même si pour l'instant, elle est beaucoup moins rapide que celle que j'avais. Et hop là, enfin, c'est l'accélération qui est moins rapide. Hein. Vitesse de pointe, c'est toutes les mêmes. Hop, motorcycle. On va pouvoir acheter, oh, trop stylé, la Minitron. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah, je l'ai pas équipée. C'est celle qu'on a vue au tout début de la vidéo. Boom. Oh, elle est incroyable. Ok, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Surtout avec moi dessus. C'est le mec. Allez, go, du coup, la prochaine. 250 millions. Ah mince, j'ai pu assez. Ok, il va falloir acheter des pets, là, du coup. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Donc, allez, on va en acheter un maximum. À mon avis, ils seront meilleurs que tous les autres pets que j'ai. Donc, allez, on en achète 6 en tout. Alors, je sais à combien, là. Hop, on équipe le tout. Et, ah, il m'en reste un qui n'est pas un pet d'ici. Donc, allez, on le débloque et on va pouvoir repartir pour une course, un rare Void B. Donc là, le mieux, c'est que je reprenne ma moto VIP, comme ça, j'ai une meilleure accélération et j'ai surtout plus de victoires. Et on va pouvoir farmer 250 millions de victoires pour avoir cette moto-là, qui a l'air d'être une moto futuriste qui lévite. Il faut absolument tester ça. On est à 863 000 de vitesse. L'accélération va être incroyable. C'est parti. Let's go. Ah non, attendez, autorun. C'est parti. Wouah. Oh, hey, j'ai pédalé à un moment, j'ai pédalé au début pour aider ma moto, et ça y est, je suis à la vitesse max. Oh là là, on est quasiment à une vitesse de 1 million, les victoires s'enchaînent. Ça y est, j'ai 250 millions, alors celle-ci a 260% de win. Oh, c'est quasiment, on va bientôt rattraper ma moto VIP, mais elle a que plus 40% d'accélération par contre. Allez, on l'équipe, on la teste. Oh, oh, elle est trop classe et elle est clairement futuriste, comme je vous disais, avec une tête de requin un peu. Ah non, pas vraiment. Un requin cyborg, un petit peu. Hey. Allez, go! Du coup, on va pouvoir enchaîner encore une fois les victoires. Sauf que là, cette fois-ci, il faut 750 millions. C'est énorme. Il nous faut celle-ci, alors. Pour avoir le 300% de win. Wow, j'atteins les rebirths max. J'ai fait 25 rebirths. On peut pas aller au-delà. Dommage, parce que ça commence à être galère maintenant pour avoir de nouvelles motos. Surtout qu'après, elles vont passer de 1 milliard, 10 milliards, 50 milliards. Et 125 milliards. Allez, c'est presque bon. Je vais avoir les 750 millions. Qui vont me permettre donc d'acheter... ce qui semble être une Harley, les amis. Ah, une Harley squelette en plus, hein. C'est parti avec le squelette. Oh, juste devant comme ça. Incroyable. Cette moto est trop stylée. Ok, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre votre pseudo dans les commentaires et je vous donnerai tous mes pets. Une prochaine fois, je tirerai au hasard parmi l'un d'entre vous. Moi, je vous dis à la prochaine, à tout de suite, ou plutôt à tout de suite sur une autre vidéo. Ciao tout le monde, bye.